Tiré par le bateau à vapeur Neptune, le convoi s'élance pour remonter la Seine. La saison choisie, l'automne, convient parfaitement parce qu'elle permettra l'installation des colons avant les grosses chaleurs. Pour déplacer à moindre frais les 12 000 personnes prévues pour créer les colonies, le seul moyen possible à cette époque est la voie d'eau. Il n'est pas pensable d'utiliser des diligences, et le chemin de fer n'en est encore qu'à ses débuts. Le bateau choisi est le chaland de la Loire, sur lequel on a édifié une cabane pour les passagers. Chaque bateau mesure environ 27 mètres sur 5 mètres de large, la longueur étant imposée par celle des écluses à passer. Les chalands ont été sommairement équipés. Deux chambres permettent de caser chacune 90 personnes sur des banquettes aménagées dans le sens de la longueur. Ces banquettes servent de couchettes la nuit. Les bagages sont rangés sous les banquettes ou sur des étagères prévues à cet effet au-dessus. L'inconvénient majeur d'une telle installation est la promiscuité qui règne. Beaucoup ont du mal à supporter cette vie en commun. Après avoir remonté la Seine jusqu'à Moray, les péniches empruntent successivement les canaux du Loing, de Briard, le canal latéral à la Loire et le canal du Centre jusqu'à Chalon-sur-Saône. De Chalon-sur-Saône à Arles, la Saône et le Rhône seront descendus par bateau à vapeur jusqu'à Arles. De cette dernière ville, pour atteindre Marseille, port d'embarquement pour l'Algérie, le parcours se fera par chemin de fer, la ligne ayant été construite récemment. Le 18 novembre, le convoi est à Nemours, où des marques de sympathie réconfortent quelque peu les colons jusqu'à fêter leur passage par quelques beuveries. Cela se poursuit le 19 novembre, jour où, à l'écluse de Montargis, un homme un peu ivre, tombé à l'eau, est sauvé de justesse. Le 21 novembre, le convoi atteint Briard, qui est un lieu d'approvisionnement. Les haleurs refusent alors de poursuivre leur travail, prétextant le financement insuffisant de leur activité. L'initiative des colons de tirer eux-mêmes leur bateau fait avorter la grève. Une nouvelle tentative d'arrêt de travail, le 24 novembre, sera à nouveau avortée par le zèle des colons, prêts à prendre le relève des haleurs. C'est le 27 novembre que le convoi atteint Chalon-sur-Saône. Un arrêt à Lyon permettra un ravitaillement en vivres et en boissons organisé par l'administration et apprécié de tous. À Pont-Saint-Esprit, les haleurs sont remplacés par un remorqueur à vapeur qui les mènera jusqu'à Arles, où l'arrivée se fera le 30 novembre. C'est dans la cité antique que cessera le voyage sur canot, tandis que les bateaux transportant du matériel continueront jusqu'à Marseille. Durant la journée du 30, les colons prendront le train, certains pour la première fois. Ils parcourront le trajet de Arles à Marseille dans un certain inconfort puisque les wagons sont sans vitres. À Marseille, dans la toute nouvelle gare Saint-Charles, les mauvaises conditions sont cependant vite oubliées. On ne gardera en mémoire que l'aubaine d'avoir emprunté le tout nouveau moyen de transport qu'est le train, qui a tout de même été plus confortable et plus rapide que les péniches. Au Grand Lazaret, les colons devront patienter pour attendre le Labrador, bateau à vapeur qui doit traverser la Méditerranée. Le 4 décembre, le bateau rentre au port, mu par sa grande roue à aube. Dans la matinée du 8 décembre, le Labrador entame son approche du port de Beaune. On distingue les bâtiments de la Casbah, d'où partent des coups de canon, puis les remparts de la ville et le minaret de la mosquée de la ville. À l'arrivée, l'accueil est chaleureux et cela leur donne du courage. Ils savent cependant que
tout n'est pas terminé. Il va falloir encore faire 23 km au travers d'une contrée sauvage, sans route, pour atteindre le lieu d'implantation du village.